Bienvenue dans cette nouvelle séquence où je vais vous dévoiler tous les secrets des personnages de Noël. Saint Nicolas, le Hanstrop, Christkindl ou encore le Père Noël. Avec plusieurs miracles à son actif, l'évêque à la barbe blanche, officiellement Saint Nicolas de Myre, est le protecteur des enfants, des veuves, des faibles et des prisonniers. Il fut d'ailleurs le seul qui sut neutraliser le redoutable Hanstrop et ainsi l'enchaîner pour mettre un terme à toutes ses forfaitures. Le 6 décembre, petits et grands se réunissent pour l'acclamer. Coiffé d'une mitre, crosse à la main et vêtu d'un long manteau violet, Saint Nicolas récompense les enfants les plus méritants. La légende raconte même qu'il voyage de cheminée en cheminée pour rendre visite aux familles, sa hotte remplie de friandises et de cadeaux. Le terrifiant bougon Hanstrop. Arrêtons-nous quelques instants sur cette personne. Avec sa carrure imposante, son air acariâtre, ses cheveux hirsutes, son visage noirci par une barbe épaisse, Hanstrop menace d'emporter les enfants désobéissants dans son gros sac pour les abandonner dans une forêt sombre dont ils ne reviendront jamais. La légende raconte qu'au XIVe siècle, au sein du château de Berwartstein, non loin de Wissembourg, régna le seigneur Hans von Trotta qui terrorisait la population. Hanstrop tiendrait donc sa réputation de ce seigneur malveillant et à l'approche des festivités, ce terrible personnage accompagne le bon Saint Nicolas lors des traditionnelles parades. Récompense ou punition, sur son passage, les petites têtes blondes n'ont qu'à bien se tenir. Parlons maintenant de la douce et angélique Christkindl. Sous de jolis traits fins, vêtue d'une voile et d'une longue robe blanche, coiffée d'une couronne surmontée de 4 bougies, Christkindl avance avec grâce et bienveillance. Souvent source de lumière et dotée d'une jeunesse éternelle, elle diffuse une aura d'espoir et montre le chemin aux enfants terrorisés par le passage du terrible Hanstrop. On murmure que le 24 décembre à minuit se produit de nombreux miracles. Les bœufs et les ânes se mettent à parler et les arbres se couvrent de fleurs jusqu'au 12e coup de minuit. Mais qui est donc l'auteur de ces miracles? Le fidèle compagnon, le Pekeresl. Mais d'où vient ce nom étrange? De l'association de Pek pour bec et de Esl pour âne est donc né le Pekeresl. On le connaît comme assistant personnel du Saint-Nicolas ou de Christkindl. À l'heure de la distribution des pains d'épices et autres délicatesses, la tradition veut que les enfants déposent sur le pas de la porte une gerbe de foin pour lui redonner des forces. Parlons maintenant d'un grand personnage historique pour vous les enfants, c'est le moment de bien écouter, c'est l'origine du Père Noël. Le Père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes, Saint Nicolas, quant à lui, nous venons d'en parler, voyageait sur le dos de son âne. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de Saint Nicolas dans les pays d'Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, le nom hollandais pour Saint Nicolas, et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas devint Santa Claus. Santa Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial. Clement Clark Moore écrivit en 1821 un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce même auteur rédigea un texte intitulé A Visit from Saint Nicholas, la visite de Saint Nicolas, qui parut dans le journal Sentinel de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par 8 rennes, répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupidon, Donder, Prancer et Vixen. Un 9e renne fut rajouté en 1939, Rudolph, qui fut chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. En 1863, Harper's Illustrated Weekly, le journal new-yorkais, rêva Santa Claus d'un costume garni d'une fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur. Pendant près de 30 ans, Thomas Nast représenta dans ce journal Santa Claus, ventru et jovial, à la barbe blanche et accompagné de rennes. C'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal,
dessina le parcours de Santa Claus qui va du pôle Nord aux États-Unis. Sa résidence était ainsi officiellement établie. Un an plus tard, l'écrivain George Webster précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant par cette affirmation les dessins de Nast. Il aura fallu attendre 1931 et Coca-Cola. La firme américaine a eu le génie de demander à Haddon Sunbloom de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola, rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui valut la publicité firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Il y eut bien quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité la nuit du 24 au 25 décembre, étant à l'origine celle de l'enfant Jésus. Certaines manifestations allèrent même jusqu'à brûler l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du temps. Quoi qu'il en soit, l'arrivée du Père Noël reste magique pour tous et symbolise tout notre attachement à notre famille et à nos proches. Un lieu d'affection en quelque sorte. Mais revenons quelques instants sur l'histoire du Saint-Nicolas. Savez-vous que deux traditions gastronomiques sont nées pour lui rendre hommage ? Le premier, en pain d'épices, avec généralement une photo à son effigie. Petite parenthèse, vous êtes fan de pain d'épices, je ne peux que vous conseiller celui de Mireille Auster, qui pour moi atteint la perfection. Je vous indique ses coordonnées juste ici, la boutique en ligne est ouverte. Et la seconde est la recette des Manele, ou des Manele selon l'endroit en Alsace où l'on se trouve. Je vais vous montrer tout simplement cette recette. The Frozen Belt. Alors aujourd'hui, on va faire des manelas. On va faire des manelas pur beurre, farine bio, avec une brioche. Alors la première étape de la recette, c'est une étape pour vraiment ajouter du goût à votre brioche pour qu'elle soit vraiment différente, meilleure, comme vous allez retrouver chez le boulanger. Donc nous, on fait des préfermentations souvent. Donc c'est souvent des mélanges de lait, de levure, de levain si on en a, et de farine. Donc dans un récipient, je vais prendre un lait tiède ou à température ambiante. Je le verse dans mon petit récipient. J'ajoute la levure, simplement comme ça. Et là, on ajoute un peu de farine. Et on va mélanger. Et il y aura un temps de pause alors, si je comprends. Et il y aura un temps de pause. Pendant 2 heures, cette pâte va développer. Et il va y avoir une fermentation, ça va développer des arômes. J'ai fait ce mélange, qui s'appelle chez les boulangers une pouliche. Et je rajoute après mon reste de farine dessus. Donc au bout de 2 heures, ça a fermenté, des arômes se sont développés. On voit que la farine s'est un peu cassée à certains endroits. On voit que cette pâte s'est bien bien développée avec la levure. Et on va mélanger notre farine. Voilà, là on rajoute le sel, on rajoute le sucre. On va rajouter les œufs. Et on va le pétrir avec un crochet à pétrir. Donc on va pétrir cette pâte 5 minutes en première vitesse. Ensuite, on va laisser une dizaine de minutes à un rythme un peu plus soutenu pour qu'elle se décolle correctement et qu'elle prenne un peu de chaleur. Et seulement après, on incorporera le beurre. Donc voilà, après 10 minutes, la pâte se décolle. On va pouvoir ajouter le beurre qu'on va couper en dés. On va juste un peu ouvrir le pétrin. On y ajoute notre beurre. Donc voilà, là on voit que la brioche s'est bien décollée des parois. Donc là on va pouvoir la prendre avant qu'elle ne chauffe trop. On l'arrête simplement. La décoller tout simplement. Voilà. On voit qu'elle colle plus du tout aux doigts, on peut la prendre et il reste rien sur les doigts.
On va tout de suite. Et voilà. Donc là, elle est dans le... On va la laisser reposer ici pendant 2 heures à peu près. Ah, on repart sur... sur un repos de 2 heures. Il est toujours important de laisser reposer. D'accord. Et au frigidaire ou... Non, dehors, à température ambiante. Ok. Voilà. Alors là, on va les former. On va faire une forme toute basique, toute simple. On va leur faire juste avec le petit doigt en dessous. On va leur faire une tête déjà, comme ça. Et après, on va allonger le corps ici, tout en appuyant légèrement sur la tête, sans la détacher. Pas qu'ils perdent la tête non plus. Et là, on les aplatit, on aplatit le corps pour pouvoir former les deux bras. Et les deux jambes, comme ça, tout simplement. Et après, on les pose sur une plaque. On écarte jambes et mains. On peut leur resserrer un petit peu la taille. Et on les laisse comme ça. Même à partir un tout petit peu la tête. Alors, on fait que des formes traditionnelles, à part les grands qui ont des fois des formes un peu plus spéciales, suivant les commandes des clients. On en a plusieurs variétés. Donc, on en a des natures, comme cela, d'autres avec des pépites de chocolat. Et encore d'autres avec des raisins et un glaçage aux zestes d'orange qui est très très connu chez nous. Donc même mélange, œuf entier. Œuf entier, ouais. On va leur mettre en premier des yeux. Il faut bien appuyer, hein. Ça colle un peu au doigt. Mais... plus tard, on va réappuyer. Encore une fois, ils vont un peu sortir et on va devoir un peu réappuyer avant d'enfourner. On va les enfourner pendant combien de temps? On va les enfourner pendant à peu près 7 à 10 minutes suivant la température du four. Vous mettez quelle température, vous? Nous, dans ce four-là, qui est un four à sol, on va le cuire à 180 degrés. Dans un four à la maison, four ventilé, four air pulsé, 170 c'est suffisant. Il faut une cuisson très légère, c'est de la brioche, on ne veut pas que ce soit trop trop foncé. On enfourne. Voilà, ça fait 8 minutes que nos manaloes sont au four. On va voir s'ils sont cuits. Alors, pour voir la cuisson, c'est assez simple. On va s'installer et on va toucher un endroit où la pâte est assez claire. Et si la pâte revient, c'est que c'est cuit. Si elle revient pas, comme là, c'est qu'il manque un peu de cuisson. Alors c'est reparti pour quelques minutes. Juste, je pense qu'une petite minute suffira pour cela. Voilà, ça revient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pâte cuite en dessous.